Ma famille, la famille à moi, quand moi je vous appelle comme ça, il faut savoir déjà, il y a un bim. Donc, aujourd'hui là, c'est ma bio qui est insultée par croyez-vous-en et les autres panélistes, hein, ils sont beaucoup là sur le panel. Donc, le BBL de ma bio a pris balle perdue. On dit que ma bio vendait de médicaments pour situer les ventres plats. Là, il faut aller chez ma bio. Mais aujourd'hui, là, ils ont dit quoi? Ces médicaments, elle lui a avalé. Donc, elle est avalée par ces médicaments. Et ces thés, elle vendait du thé aussi, vous voyez, pour le ventre là, si vous voulez le ventre plat. Et bien d'autres histoires. Mais sa base a été pour aplanir le ventre. Regardez, elle-même, elle est partie faire BBL. Ça a tenu ou pas? Hein? Famille? Alors, on va suivre cette vidéo ici. On ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous, devant nos écrans à ce moment. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez. Et le français va m'attraper, voyez? Je vais me blesser pour vous, nos abonnés là. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Sans oublier de saluer les guetteurs. Guetteurs, salutations aussi à vous, ainsi que le nouveau venu. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Hey, Seigneur, après quoi, donc avant croyez-vous-en, il y aura des dames qui vont parler. Et après lui, parce qu'il va partir charger son téléphone là, il a réussi à appeler et tout, il y aura des dames qui vont parler. Le dame, le fille, le maman, ouvrez les oreilles aujourd'hui, vous allez écouter. Ça va vous choquer à cause de cette histoire des BBL. Mais elles étaient assises pour dénigrer le corps de maman bio, hein. Elles étaient assises pour, hein, décortiquer son corps, décortiquer son BBL. Mais vous allez écouter les histoires qui vont vous choquer. Suivons tous la vidéo. Senti bien dans ma peau. C'est quoi? Tous les jours, tu as porté habit, jamais gaine en bas, gaine ici, gaine à gauche. Tu vois, la carte de gaine qui est chez moi ici, c'est ce que tu as vu, Est-ce que maman. tu bois les thés aussi? Faut laisser tes là. Les citrons avec les trucs, qu'est-ce que tu fais ça? Ça dément, frère. Il y a les thés que je bois. Il y a les thés. Tu me vois essayer, faire citron, clou de girofle, gingembre, cannelle. Chaque matin, je bois. Franchement, c'est très bon. Il y a une potion magique, une feuille de séné. On dit faut écraser, petit cola, tu as épuisé ça. Bien, on fait. Pommade, même souvent, là, il y a gain. Gain qu'elle a, et puis moi, il n'y en a plus de secret. Il y a ça. Elle gagne, et puis il n'y a rien. Il y a une aussi, il y a une recette là, mais si tu fais ça, tu vas trop perdre du poids, mais tu auras excès de peau. Donc, ça va pas t'arranger. Non, C'est mais c'est ça. là, Où est-ce excès là? Il de y a peau, perdu c'est 10 bon, kilos. là, ils vont couper. Il y avait Excuse-moi. accouché. Excès de Il y peau avait là, accouché, ça c'est qui est le ça là. problème. Le fait d'aller à la salle de sport et puis mes petites tisanes que je bois là, il y a perdu 10 kilos. Là, je suis contente. À l'heure là même, là, ça va. Mais c'est pas encore fini. Couper, vendre pour jeter là. Passer bas, vendre là, c'est là aussi, ça descend un peu Tu d'une sais manière. que C'est gaine pour aussi n'est pas bon. Gaine là, quand tu places gaine et que jusqu'au soir tu enlèves là, c'est dit que après ton ventre se gonfle. C'est dit ça remplit. Une fois que tu mets quelque chose dans ton ventre, ça se gonfle. Non, ça gonfle pas. Ça, moi, Les ça me gaines, fait, ça me gonfle pas. Hein. gaine. Ça Moi, gonfle j'avais une pas. copine qui prenait les gaines, mais après elle a dit non qu'elle veut plus. Parce que ça, c'est pour un moment, si veut dire c'est pour quelques minutes, tu mets gaine le matin jusqu'au soir, le lendemain, là, tu Mais vois, ça ça dépend de passe. ce que tu manges. Si tu enlèves gaine, c'est pour ça que quand tu dois manger là, faut laisser ta gaine pour manger. Moi, quand j'ai fini de manger là, il y a au moins 1 h 30 et puis avant Alors, d'enlever ma gaine. Mais t'as pas le temps, tu as enlevé gaine et puis t'as un moyen foutu ou bien placali. Votre là va sortir. Si tu as enlevé ta gaine, que tu as mangé ta petite salade, tu as mangé un petit truc, ton ventre n'a pas sorti. Mais tu enlèves gaine, il faut manger gaine, même quand tu accouches, que tu Quand attaches ton ventre, tu manges t'attaches pour pour vous, c'est quoi? Carence en fer, ça veut dire quoi? Tu Quoi? manques de fer, ton sang. Tu manques Tu de manques de fer fer. dans le corps. C'est ça qui te fait manger kaolé.
Oui, c'est le fer. Le fer, la glace, quand tu manges beaucoup de glace, quand tu manges beaucoup de kaolin, c'est que tu manques de fer, iron. Mais qui mange, la, qui mange kaolin hein? Ma bio. C'est ma bio. Elle est accro au kaolin deux jours là. Quand elle dit accro, ma bio comment kaolin 2000, elle fait... Comment quelqu'un va commander kaolin, puis elle va payer livraison de kaolin. Ah, mais ça, c'est elle, quel modèle, elle, ça. Elle est en train de se créer des problèmes, intestinales, elle ne se rend pas compte. Elle mange beaucoup. Des calculs rénaux, là, c'est très dangereux tout ça, en fait. Mais c'est dangereux de manger le kaolin. Kaolin est dangereux, hein. Comme dit Mansa, ce n'est pas bon pour le fer, hein. Qui a dit que c'est bon pour le fer? Depuis quand ça est bon pour le fer? Ah, moi, je viens d'apprendre ça, là. Mais non, mais c'est du n'importe quoi. Moi, elle n'a pas dit c'est bon pour le fer. Elle dit souvent, c'est quand tu as des carences comme ça, c'est ça qui donne l'envie de manger les trucs de kaolin et autres, là. C'est quand tu as un manque de fer. Mais sinon, kaolin, nous tous, on sait que kaolin, c'est du sable, c'est pas bon. Alors, elle a dit sous ventre, d'abord, elle est baoulée, mais comment tu es beau? Ventre est comme forêt, on ne voit pas dedans. Tu as fini de mettre placarder dans ton ventre, tu vas te mettre kaolin dessus encore. Là, qui? Moi-même, ce qui va me tuer, c'est les femmes enceintes qui mangent kaolin. Hein. Et puis, celles même qui ne sont pas enceintes et puis qui mangent kaolin, les femmes enceintes, elles peuvent me tuer. Tu vois qu'on leur bouche, il y a toujours blanc autour. J'ai dit, Glagla, moi, j'ai fait ça dans ma deuxième grossesse. J'ai fait ça. À faire des kaolin, ça m'avait pris un temps là. Faut déposer, il a failli accoucher pour déposer. Il a failli accoucher à cause de kaolin. Chaque soir, le kaolin au moins 100 francs, 200. Il doit tuer ça. Constipation qui m'a prise là. Il dit. Oh, depuis là, ça m'a fait ça. C'est suppos, il mettait. Ça envoie l'anémie. Quand tu fais ça, tu es anémié. Oh, oui, mais c'est ça te donne l'anémie. Jamais. Oui. Plus jamais, il a mangé kaolin encore. Le jour là, il a cru qu'il allait accoucher. Il réveille ma maman, il me purge même là, même médicaments ne sortent pas, tellement que c'est dosé. La nuit, hein, je suis couché là, en train de pleurer. Et puis, je n'ai pas envie de dire les conneries, si c'est pas assez bon comme ça, c'est dangereux. Mais il me concentrait, donc grossesse, les salles, c'est ça là même. Je ne sais même pas un coup comme ça, en temps, il y a médicaments des feuilles. Avec que tu as toujours constipé. Oui. Il dit, il ne peut pas chier. Deux jours, il y a mes kaolins, seulement petit kaolins, il mange. Il ne peut pas chier. Il dit, ah, c'est quoi tout ça? Il faut arrêter, il ne faut même pas manger. Il ne faut pas manger. Il faut laisser. Et puis, moi, c'est obligé. Il faut boire beaucoup de jus. Il y a les saisons suppos là, il met. Il faut suppos là-bas. Il prend mes trous. Et puis, il faut boire beaucoup de jus. Les jus, il ne faut pas prendre l'ananas ou bien l'orange. Il faut prendre les jus comme pomme, mangue, les trucs comme ça. Carottes. Allez, la mettre, c'est la saison des fruits. Carottes. Tu tout carotte même, carotte en plus ça donne de bons yeux aux enfants. Voilà. Et puis le thé est propre. Quand le bébé vient, il est propre comme ça. Faut boire beaucoup de lait. Bon, on va monter dans un tour. Quand les enfants sont revenus. En zone de turbulence. Il vient pour son chant. Une mangeuse de kaolin. Comme elle est arrêtée là-bas, pitrie. On dirait quelqu'un que je vois de loin. Allô, désolé, il était en appel. Voilà. Et puis vous là, vous qui appelez les gens, arrêtez d'appeler les gens, moi je suis pas vos camarades. Ok. Très bien. Et vous m'entendez? On m'entend? Vous m'entendez bien ou bien? C'est comment? C'est bizarre. Oui, c'est bon. C'est bon, président. Ok. Merci beaucoup. Recevez les salutations de vos M serviteurs, croyez en vous. Voilà. Voilà. Le chef du village, toute catégorie champion, ont reculé. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es un champion, là, tout ce que moi, c'est que c'est les plein-plein. Ils ont fraya. Voilà. Nous, on a déconstruit, on a descendu, on a battu ceux-mêmes pour qui vous avez eu tant de respect pendant combien d'années sur TikTok. C'est nous, on est venu leur montrer les vrais noms. OK? Merci. Alors, je vais m'adresser ici à la dernière en question que vous avez mis en grand. Je ne sais pas si je peux me permettre, parce que je ne sais pas si c'est un live pour venir Biama ou bien pour un live pour venir parler, non. OK? Voilà. Donc, si je peux monter à bord, dites-moi si tu as autorisation de monter à bord. Vas-y, mon Kando. OK, très bien. Voilà. Voici Maman à Robocop. Voilà, la seule femme qui a fait BBL. Qui critiquait ses camarades, qui dénigrait ses camarades qui allaient faire des BBL pendant qu'elle vendait des produits bio selon elle,
qui était rempli de gemgem, rempli de piment. C'est-à-dire que c'est le seul médicament quand tu prends là. Tu as pensé que tu as diarrhée. C'est-à-dire que tu chies jusqu'à... Tu chies jusqu'à... Toi-même, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tous mes amis qui ont payé... Il y a mes amis ici, en Bengue ici, qui ont payé bio-détox. Laisse tomber. Tout ce qu'elle fait là, c'est doï. Elle-même, elle, tous ces médicaments-là, elle est partie couper ventre pour jeter. Elle a coupé dans fesses pour raccommoder. Elle a sagacité sur l'autre côté pour renchérir un peu vers les toy boy. Dja, tu étais complexé comme ça. Et puis c'est toi qui insultes tes camarades. Tu étais frustré comme ça. Et c'est toi qui insultes ta camarade. Quand il y a parlé, ils vont dire, croyant vous, tu vois pas qu'il y a les femmes sur les lives et puis tu es en train de manquer de respect à une femme. Elle a insulté ma soeur, influenceuse. Elle a insulté ma grand-soeur, Glagla. Moi, le reste, ils n'ont qu'à aller se défendre. Quand tu parles des panélistes, là, tu parles de ma grand-sœur influenceuse, tu parles de Glagla, ma grand-sœur, tu es une frustrée, tu es une grosse lâche. On t'a montré que, malgré que tu prenais position sans savoir les tenants, les aboutissants de Yasko le pro, on t'a montré qu'aujourd'hui, là, Dieu a fait nos combats. Yasko est là-bas. Va la libérer à toutes tes relations. La seule femme qui est toujours là en train de fouiller. C'est-à-dire que toi, tu as 47 ans, et puis tu fouilles dans le caleçon de tes petits frères. Quand je parle de mes personnes ici, parce que je dis et puis je répète, j'ai deux petites qui me respectent vraiment très, très bien, qui sont ses proches, Nel, et puis la menace d'Ando. Les petits filets sont très respectueuses, parce qu'elles savent vraiment quel combat il est mené. Pendant qu'elles sont en train de lutter avec elles, lutter dans les combats. Ma bio est là-bas, il est enterré. Yuruku est Irish Bodakuru. Aujourd'hui, tu as vu le vrai visage de lui qui était dénoncé hier. Il t'a dit, il ne peut rien créer dans ta vie. C'est un gigolo. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça depuis longtemps. Il t'a dit que moi, lui, il ne peut rien créer dans ta vie. Tu es une frustrée. Tu es une malfra. Tu es une Bodakasa. Maintenant, tu as porté les lunettes, maintenant, de souquer, maintenant, dans nos lives. Voilà. Tu allais refaire sain, tu allais refaire cuit. Si ce n'est pas la frustration qui fait, et le complexe qui peut faire ça là. Tu ne peux pas partir refaire sain et puis cuit. Je suis désolé. Quand tu te regardes, tu as coulé aujourd'hui. C'est-à-dire que voici des personnes aujourd'hui qui se sont acharnées sur une personne. Il n'est pas cité le nom pour ne pas l'introduire dans notre histoire. Mais elle s'est acharnée sur la plus grande influenceuse aussi de Meta TikTok. La debout des debouts. Vous savez de qui elle parle. Avec tout son acharnement, quelqu'un qui t'a fabriqué aujourd'hui, là, tu es coulé. On ne parle plus de toi. Tu es obligé de rentrer dans l'affaire des caleçons des petits wesh, rentrer dans les lives, te faire humilier. Tu as critiqué ici les baouins. Tu as critiqué ici tout le monde. Mais tu étais dans un live là-bas où ils étaient en train de renchérir sur toi, sur les baouins. On en parle? Une sorcière comme toi. Toi, tu as venu parler. Toi, tu assois pour parler des panélistes. Sans les panels, tu n'es rien. Parce que le même gars avec qui tu renchérissais dans les panels, aujourd'hui, là, il est où? Il n'est plus là. Tu allais prendre encore plus court que lui. C'est-à-dire que plus petit que lui. Même s'il est artiste, mais sa taille en dirait 2,25 là. Il est petit. Tu allais prendre Ayatollah pour venir nous donner. Ayatollah. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, arrêtez de m'appeler. Oh, c'est quoi tout ça là même? Croyez-vous, là, quoi, Ayatollah, notamment, on peut faire ça aux gens. Oh, pas possible. Venez pour parler sauce claire pour moi et manger. Oui, hier, yeah, il a fait une petite sauce claire. C'est sauce claire des femmes enceintes. C'est ce qu'il veut manger. Petite sauce claire, poisson fumé. J'ai sauvé le fumé au poulet. Ça me fait un peu trop mal. Fais un peu, un peu. Il a mangé comme une femme enceinte. Il a fait, de toute façon, c'est dans mon casier, il n'a pas fait l'enfant, là, on va tâche. Ok, vous m'entendez? Oui, continue. Ok. Tu es parti prendre quelqu'un qui ressemble à Ayatollah, un petit monsieur, au pays là-bas, là,
quand moi j'étais dans mon bas-fond là-bas, là, on avait les gens qu'on appelait les tontons. On dit tonton, c'était le meilleur petit monsieur du quartier. Tu allais le prendre, tu l'as mis derrière toi. Un vendu aussi. Il va venir sagacité, venir prouver. Même un coup, il ne va pas gagner. Parce que toi, là, tu es plus âgé, toi, tu vois loin que lui. Une frustrée comme toi. Tu vas venir parler des panélistes. Les panélistes ne sont pas tes camarades. C'est les panels-là qui ont fait aujourd'hui ta publicité. C'est les mêmes panélistes qu'aujourd'hui tu critiques. C'est eux-là qui ont fait que tu as été connu. Parce que quand la Poutine même faisait ses lives, l'influenceuse la plus debout de TikTok faisait ses lives. C'est toi la même. Tu venais renchérir dans ses lives. Tu n'avais même pas de panel. Tu ne savais même pas comment on lançait les panels. Mais c'est les panélistes là qui renchérissaient sur les panels. Les influenceuses, les glagla. En ce moment, je me rappelle encore, il y avait qui? Les sentinelles. C'est-à-dire que les vrais panels. Ma petite Sarah Mandé, la gazelle, et renchérissait pour te donner un peu une cote de popularité. C'est à cause de ces personnes-là qu'on t'a connu. Sinon, qui te connaissait? On sait que tu as une fumée de doma. Toi, tu vas venir insulter les gens en plein live. C'est normal, parce que tu es monté dans un live où il y avait qui? Il y avait le tonton qui porte toujours les strings. Rose, bleu, jaune. C'est-à-dire que lui, il a tout sort de strings. Il est aux États-Unis, là-bas. Il attend seulement un conflit pour venir se mettre du côté de l'opposition. On le connaît. Tu as qui encore à côté de toi? Un gigolo appelé Serge Bodakasa. C'est-à-dire que le seul woubi, le seul gigolo... Quelqu'un qui a, que son enfant est petit, mais malgré ça, il va yuruku les tantis de Bordeaux jusqu'à Tours. 4 heures du temps de route. Hein? Quand tu finis là-bas encore, tu vas chez qui? Tu as trouvé, il y a qui là-bas? Il y a personne. Les seuls qui se sont défendus là, c'est le grand Danny, l'intello, tombe toujours, il t'a recadré. Sinon, à part ça là, même ma grandeur Stibi qui a dit ma grandeur Stibi là, peut-être qu'elle était occupée, mais son micro était fermé. Il est aussi fâché contre elle le jour-là. C'est-à-dire que dans une histoire où on a été dénoncé, toi, une grande femme gérée de busy, c'est-à-dire que une femme qui allait refaire son bocho, qui critiquait ses camarades dans l'affaire de BBL, qui était en train de dénoncer l'affaire de BBL, la plus grande vendeuse de ma bio, de torse et tout, etc., tout est consort. Elle est partie faire BBL. Elle est partie faire BBL. Non, c'est pour vous dire que tout ce qu'elle vend là, c'est connerie. Parce que à preuve du contraire, je connais des gens, quand ils ont payé le produit là, c'est chier. Hey, cabot jusqu'en. T'as peur que tous les intestins vont sortir. C'est des chieurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils disent qu'ils ne prennent plus de médicaments là, mais ils continuent de cabot. C'est les diarrhées par ici, les diarrhées par là, les diarrhées par ci, les diarrhées par là. Hein? Toi, tu es Robocop. Ou bien, quand on fait BBL, on ne fait pas BBL de mollet aussi à un genou. Toi, tu as fait BBL de sein, BBL de cuisse. Oh, hey Dieu. Que Dieu te pardonne. Et puis, tu as mis ninette. Toi, tu n'as pas mis lunettes. Hein? Tu as mis ninette sur nous maintenant. Tu nous manques de respect. Tu manques de respect aux panélistes. Un vendu comme Serge Tano, il est là-bas et puis il te regarde, il est content, il loue, il ferme son micro, un impuissant. Parce qu'il veut quoi? Son œuvre là qu'à monter. Hein? C'est pas mieux, tu vas aller vendre les médicaments. Tu vas aller vendre les médicaments de Kiki. Parce que médicaments pour maigrir, là, tu as échoué. Médicaments pour maigrir, tu as échoué. Tu n'as rien plus créé. Tu n'as rien créé. On a vu que médicament pour maigrir, là, ça t'a laissé. Jusqu'à toi-même, tu étais obligé. Toi, la patronne de tous les produits cosmétiques. Tu allais prendre Javel. Tu allais prendre huile d'olive. Tu allais prendre huile d'onction. Tu allais prendre eau de pamplemousse. Hey, orange, piment. Tout. Tu as fait ton petit mouvement. Et puis, tu viens blaguer les gens. Qu'est-ce que tu prends? Tu as dépéri les comprimés bizarres. Comprimés que tu vends aux gens, toi-même, tu ne prends pas. Comprimés que tu as vendus aux gens, là, toi-même,
Ouais, disaient que un jour ils vont venir témoigner là. Les gens disaient oh vous êtes des jaloux. Mais aujourd'hui là c'est eux-mêmes ils sont intéressés à se moquer de toi. Comme c'est des hypocrites là, ils ont peur de toi. Voilà pourquoi ils disent que oh elle a une très belle forme. Oh ah ma bio. Ah, bio de tos. Ouais, ouais, ouais. Non, tu es sexy. Attends, hier là, il parlait de tes produits. Hein. Tes produits de tos là, ça a pourri dans ta chambre là-bas. Ça a pourri dans ta chambre. Plus jamais tu vas t'adresser aux panélistes. Les panélistes, ils sont la voix des sans voix. Les panélistes sont des personnes respectables. Ce n'est pas les gigolos que tu allais voir dans les lives là-bas. Tu allais les humilier. Ce n'est pas ça. Les panélistes là, on t'est pas des glagla. Les panélistes là, on t'est pas des influenceurs. Les vrais panélistes là, les debout des panels là, hein? On te parle aujourd'hui d'une révélation, Josie. On te parle aujourd'hui d'une révélation infalsifiable. Des femmes qui font des bons panels. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Toi, tu es femme, tu critiques tes camarades femmes, tu critiques tout. Tu insultes que vous avez eu à régler quel problème. Toi-même, là, depuis que tu es sur Internet, là, à part tous tes partenariats. Non, laissez-le parler. Faut ouvrir ton micro. On va laisser les pommes. Allô? 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 C'est bon. Ah, tout ça, c'est la faute de... C'est la faute de ma bio. Elle envoie ses petits voisins pour venir dans les lives. Bref. Tu allais prendre les petits pour mettre à côté de toi. Il y a un petit bouffon. Un petit ours. Il est à côté de toi. Un ours. Toi, tu as mis ours à côté de toi. Hein? Vilain aussi comme toi. Quand tu demandes, hey, ma bio, elle est trop belle. Tu n'as même pas honte. Toi, tu as parlé des panélistes. Mana Robocop. On a mis ça au frigidaire. On a mis ça au congélateur pour toi, en attendant le moment opportun pour... En attendant le moment opportun pour répondre. Voilà. Désolé, je vais me muter rapidement, 2 minutes, et puis bon, je reviens. Voilà. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, comme toujours. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, ce vous-là, qu'on invite chaque jour de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà. Ce qui m'avait choqué dans le live ici était que le dame là, donc le panéliste est là, était là, a dénigré le corps de ma bio. Le panéliste là était pour supporter les insultes contre ma bio. Pourquoi? Parce que apparemment ma bio les avait insultés et tout et tout. Et croyez-vous-en, et croyez-en vous, croyez-vous-en là. Moi-même, je suis perdue dedans. C'est lui-là, il a insulté gravement ma bio. Mais les dames, qu'est-ce que vous avez attendu? J'ai dit quoi? Il faut ouvrir les oreilles pour bien écouter le live. Si vous avez bien compris comme moi, vous allez comprendre que le panel a été fait pour dénigrer ma bio. Mais qu'est-ce que les femmes là disaient? Non, moi j'ai fait mes seins, ma poitrine ne grandissait pas et tout. Elles sont parties faire ce que ma bio avait fait. Le preuve là, hein, nous on n'en a pas. Et il y avait des commentaires qui circulaient, qui disaient que non, s'il s'agit que je perds mon homme à cause des BBL, ah, il faut que l'homme part. Voyez les genres de futures femmes qu'on est en train de créer à ce moment ici. Jeune fille, écoutez, hein,
Jeune fille, écoutez, j'ai dit toujours que le mariage n'est pas le bonheur de la vie. Quand vous vous mariez là, ne vous attendez pas seulement à la vie rose, hein, là où il coule du miel et du lait, non. Mais aussi, c'est une fierté des parents, surtout les Africains, fierté des parents. Quand leur fille est mariée à quelqu'un, quelqu'un prend soin de leur fille et elle est là. C'est une fierté que d'avoir votre fille grandir, vieillir chez vous. Et on a souvent besoin d'avoir des enfants, non? Si vous avez des enfants chez vous, donc dans la maison de vos parents, c'est comme si, bon, je ne juge personne, hein? Je juge personne. Mais pour les Africains, j'ai dit bien, la plupart des Africains aussi, ils prennent ça, c'est comme si it's an offense. Vous voyez, it's an offense. Avoir les enfants sans se marier. C'est comme si, hein? Et puis quand vous allez chercher pour mariage, on va vraiment vous tamiser bien, bien, bien là. Que non, qu'elle n'est pas vierge, qu'elle a des enfants, qu'au derrière cet enfant-là, son papa est un tel. Derrière cet enfant-là, son papa est un tel. Et j'ai dit aussi, la vie ici sur Terre, c'est pas une vie parfaite. Quel que soit vous soyez marié ou pas, vous avez des enfants ou pas, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Alors, c'est pas bien de nous asseoir et juger les autres, car c'est Dieu. C'est lui qui est chargé, hein? C'est Dieu même qui est chargé des jugements de chacun de nous ici sur Terre. Qui sommes-nous pour juger les hommes? Qui sommes-nous? Elle a fait ça pour ça, il a fait ça pour ça, il a fait ça comment, pourquoi pas, il n'a pas fait ceci, cela, pourquoi il a laissé ceci, cela pour faire ceci, cela. Eh, Seigneur! Et cette histoire ici, je vous dis que ça va assez. Donc, ça commence petit comme ça, ça va devenir long. Pourquoi? Parce que Mahabio va vouloir répondre. Hmm? La team de Mahabio va vouloir aussi répondre. Ça va être comment? Le fait sur fait, comme l'histoire de MMK. Ça a commencé quelques mois, c'est venu. Les influenceurs sont entrés dedans, les TikTokers, tout le monde en parlait. Il y avait des teams qui étaient ensemble et qui se sont divisés à cause de cette histoire. C'est venu jusqu'à Roro, c'est venu jusqu'à Madame Patou, c'est venu jusqu'à Aya Robert, c'est venu jusqu'à... Eh! C'est ça. Hmm? C'est ça, comme l'histoire de Sylvia aussi. On a aussi cette vidéo. Eh, Sylvia aussi a grosse bouche, hein? Sylvia a grosse bouche, hein? Hmm. Donc, ça ne sert à rien de juger les hommes, car c'est la place de Dieu. Si on se met chacun de nous à sa place, donc, chacun de nous se met à la place qu'il ou elle devait être, il y aura de la place pour tout le monde sur la planète Terre. Le problème en est qu'on veut, être là où c'est pas notre place. On veut être là. On veut faire ce que l'autre a fait. On veut être comme l'autre. Ah, Yaya, faut me brancher dans ton travail là, hein. Tu commences pas à demander que tu as fait quelles études pour avoir ton travail, t'es passé par où. Mais non, tu veux être comme la personne. C'est ça le problème. On ne se contente pas de ce qu'on a. C'est ça nos problèmes. C'est ça, ça crée des jalousies, des problèmes et tout, et tout, et tout, et tout. Problème de jalousie. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Moi, personnellement, Elios 13, je n'encourage pas le BBL car il y a beaucoup de secrets, car il y a beaucoup de côtés négatifs qu'on ne nous dit pas. On nous montre seulement le corps là est parfait, le corps est comme ça, il y a beaucoup d'histoires qui ne nous disent pas. Ils gardent ça. Même le docteur là, il garde ça. C'est après que non, c'est ça, il faut faire ceci, c'est là, comme ça, comme ça, comme ça, vous allez vous retrouver. S'il n'y a pas d'autres sont mères, hein? On dit quoi? D'autres sont mourir. Eh, le français! Voyez les français, moi, ils me blessent pour vous. Nos abonnés, Dieu me blessent pour vous. Alors, si vous êtes ici nouveau, hein, et que vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, eh, mon téléphone ici, oh, il y a quoi aussi? Voyez là, ça change de couleur. Eh, c'est une nouvelle téléphone, oh. Moi, je vois ça change de couleur. Peut-être que c'est mon ring light ou quoi là. Je ne sais pas si vous allez voir ça, mais désolé si vous allez voir le couleur jaune et puis ça revient encore blanche là. Je suis vraiment... Vous me connaissez déjà, non? Aïe!
Alors, si vous êtes ici nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné chez Elliot 13, ne soyez pas méchant comme les guetteurs. Faites-vous abonner chez Elliot 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Car ici, là, on est très gentil. On n'insulte pas, on ne prend pas de part. Voilà, on n'est pas parfait. On essaie d'être un peu juste. Voilà. Alors, pour l'instant, que vos gros bisous. Mouah. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.